Alléluia, alléluia. Paix et joie, mon frère, ma sœur. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Mon frère, ma sœur, je te souhaite une très bonne semaine, un très bon début de semaine. En ce lundi matin, nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel pour sa puissance sur nous, pour sa main posée sur chacun d'entre nous, pour tout ce qu'il est en train d'établir dans nos vies, dans nos familles, dans notre nation. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour la vie en nous, pour le souffle en nous, pour tout ce dont il nous a préservés. Oui, peut-être que tu l'as vu, peut-être que tu ne l'as pas vu, mais le Seigneur t'a préservé du mal, mon frère, ma sœur. En cette nuit, peut-être il y a des personnes qui se sont couchées et qui ne se sont pas réveillées. Mais Dieu t'a donné la grâce de vivre. Dieu t'a donné la grâce de te réveiller. Dieu t'a donné la grâce de pouvoir le bénir. Alors bénis-le. Voilà, rends grâce à son nom. Élève ta main là où tu es et commence à bénir Dieu. Commence à l'adorer. Alléluia. Le psaume de ce jour nous dit « Écoute mes paroles, Seigneur. » Comprends ma plainte, entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Tu n'es pas un Dieu ami du mal, chez toi le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Parole du Seigneur, alléluia. Éternel Dieu, nous voulons chanter ce cantique. Tu es l'agneau de Dieu, tu es le roi. Et toi-même, Seigneur, tu connais toutes nos difficultés. Tu connais tout ce qui est en nous, tout ce qui est dans notre cœur. Tu le connais mieux que nous-mêmes. Alors nous voulons tout simplement te louer, t'adorer, afin que toi, le lion de la tribu de Juda, tu viennes t'occuper de toutes ces situations dans nos vies. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Alléluia. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es le roi, tu es l'agneau de Dieu. Jésus, tu es roi, tu es l'agneau de Dieu. Tu es le roi, tu es l'agneau de Dieu. Jésus, tu es roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est le Tout-Puissant. Jésus est le roi, écoute, ne pleure plus.
tribu de Judas. Frappe à la porte de ton cœur si tu entends sa voix. Ouvre-lui, il viendra souper avec toi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jamais de proclamer ton nom. Seigneur, nous n'arrêterons jamais de te louer. Seigneur, nous n'arrêterons jamais de te proclamer. Seigneur, nous n'arrêterons jamais de te louer. Seigneur, nous n'arrêterons jamais de te chanter. Nous n'arrêterons jamais jusqu'à ce que tu nous rencontres dans les cieux. Nous n'arrêterons jamais de te louer jusque dans l'éternité. Là où Seigneur, nous n'arrêterons jamais de te louer, car tu es l'agneau, l'agneau immolé pour le rachat de nos vies. Maintenant, si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Alors Seigneur, toi qui gardes nos vies, toi qui es le gardien de toute vie, alors Seigneur, bénis chacun d'entre nous ce matin, bénis les familles, bénis les hommes, les papas, les mamans. Bénis tous ces élèves, tous ces enfants qui vont passer les examens. Bénis-les, donne-leur l'esprit de l'intelligence afin qu'ils puissent réussir à tous ces examens. Ô Père, nous te louons et nous te remercions pour la victoire que tu nous as donnée en Jésus. Et étends ta main et bénis-nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.